Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une génoise. Donc, c'est une grande génoise, donc j'aurai besoin de 8 œufs, un sucre vanille, 160 g de sucre et 250 g de farine. Je vais casser les œufs un à un. Donc, on va dire. Alors ensuite je mets 160 g de sucre et un sucre vanille. Je vais blanchir le tout et après je vais allez c'est parti, je mets à toute vitesse comme ça c'est bien fait. La farine, elle est bien crémeuse. J'ai quand même laissé pendant 8 minutes, c'est sûr. Hein. Après, tout presque mis 8 minutes. Donc, comme vous voyez, elle est bien crémeuse. Alors, je vais juste tamiser ma farine avant de l'incorporer. Alors ensuite, je vais prendre mon fouet, je vais mettre au fur et à mesure comme ça. On va mettre en trois fois. On va essayer de ne pas casser le. Essayer, hein. Personne n'est parfait. Enfin, ce ne sera pas comme au début, mais au moins on va garder un petit peu. Il faut que la farine soit mélangée parce que sinon ça va faire des boules. Et elle est crémeuse, hein, voilà. Voilà. Alors, je vais mettre du beurre. Et on verse notre préparation. On voit qu'elle est mousseuse. On entend chanter carrément. Voilà, c'est le résultat d'une génoise qui a cuit jusqu'à la fin sans ouverture de four. 30 minutes. Et
elle est bien. Elle est cuite. Voilà, donc là ça me fait... Alors, je vous présente ma chèvre génoise. Comme vous voyez, elle est bien aérée, elle n'a même pas dégonflé. Elle s'est même pas dégonflée. Donc, voilà. Je l'ai fait 3 fois de suite. Pas dans la même journée, mais aujourd'hui j'avais fait 2 fois, donc le résultat est toujours le même, franchement. Voilà, c'est une recette que je vous conseille d'adopter, et puis voilà. Et en plus, moi je mets pas trop de sucre dans les génoises, donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéo avec chez What's in Bloody. Partagez, likez, à très bientôt, inchallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.